faut juste qu'on... Ouais, mais toi, t'es trop énorme, on voit plus le fitness form. Donc, mets-toi là. Comment ça, frère? Ah, là, il y a écrit derrière. Moi, on va le voir. Et on se met comme ça. Voilà, on va rester comme ça pour l'instant. Ah, ouais, 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 ouais. Comme ça, on est bien, on voit bien. Au moins, il voit le biceps. Ok les guerriers, on est parti. Ok, salut les guerriers, bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Et il a pas oublié. Ah. Aujourd'hui on se retrouve à Fitness Form. Donc il est quelle heure là? 19h. On a l'habitude de tourner nos vidéos le matin en général. Bon. Là on espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Pourquoi tu dis menteur? Voilà, d'habitude j'ai 13h le matin. 13 bon, heures du matin. Bah voilà, 13h du matin. Donc là on espère qu'il n'y aura pas trop de monde, que vous allez bien nous entendre. Pas de caméraman aujourd'hui, on va se démerder pour faire des beaux plans. Comme on peut. Et qu'est-ce qu'on a prévu comme séance? Abdos et mon cardio là. Voilà, c'est bientôt l'été, on voulait changer un peu des pecs, des jambes et du dos et tout ce qui est compagnie, tu vois. Du coup, séance abdos pour vous préparer pour l'été en volume. Donc ceux qui veulent des gros abdos, c'est maintenant que ça se passe, hein. Restez bien pour la séance. C'est un mixte entre ses exercices préférés d'abdos en volume et les miens. On n'a rien préparé. On ne peut pas travailler en volume, on peut travailler en... T'inquiète. Ok, on improvise. Turquie. Mais si vous voulez des abdos, restez là. Et à la fin, pour la commu, on prendra un petit peu de temps pour parler ensemble. Rien de vous et moi et lui. On y va ou quoi? On vient de se faire recaler parce qu'on n'a pas de masque. Vas-y, explique-nous. Voilà, donc là, c'est une salle de muscu. Donc là, nouvelle règle par rapport aux autres salles. On est obligé de se balader dans la salle avec le masque. Avec le masque obligatoirement. Par contre, pendant les exercices de muscu, on va pouvoir l'enlever. Mais heureusement, toi, sinon je m'entraîne même pas, c'est mort. Plus du cardio. Normalement, il y en a un peu plus, mais forcément, ça a été raménagé. Une salle de cours. Et là, les cours pendant le Covid, il y en a toujours. On en a toujours, c'est limité, solution, je suppose, ouais, voilà, parce qu'on est limité. Même au niveau des espaces, ici, ah, oui. Ça ne doit pas être là. Ah, ça, je l'avais pas ça, vu. J'aime bien ça. Tu vois les coinçons, ça, j'aime bien. Il y a un autre ici encore là-bas. Oh, là, c'est un espace CrossFit, soit sous forme d'accès libre pour les adhérents, même pour ceux qui font une séance d'essai. Parce que pareil, on fait des cours collectifs de CrossFit, et habituellement, ça a lieu ici. Là, actuellement, on les fait différemment dans la salle de cours, forcément. Il y a pas un autre truc là-bas. Donc là, chaussures. On devait obligatoirement changer de chaussure. Ouais. On a également un sauna, donc là par rapport au Covid, le sauna pour le moment pour l'instant c'est fermé. C'est normal, pas possible. Ah, dans les autres salles, même dans certains magasins, je crois, ils enlèvent la clim par rapport au Covid. Quoi? Ouais, je te jure. C'est pour ça qu'à Fitness Park, c'est chaud? Ouais, voilà. Mais okay. Par contre, à l'orange bleu, il la laisse. Bah, après, si. C'est selon les gérants, c'est ça? Bah, c'est pas une question selon les gérants, c'est que c'est possible de la laisser. Alors, je vous explique. Déjà, port du masque obligatoire dans la salle. Et le problème là, c'est qu'on a pris qu'une seule paire. Et le problème, c'est qu'il fallait deux paires de baskets. Donc moi, j'en ai pris qu'une. Celle-ci, celle qui vous plaise, hein, j'ai vu dans les commentaires. Mais il veut pas que je m'entraîne avec comme j'ai marché dehors avec. La salle, elle est bien en elle-même. Elle cache bien son jeu. Il y a plein de petites pièces cachées. Vous avez dû les voir pendant, dans les plans. La clim activée malgré le Covid. Les vestiaires ouverts à deux personnes. Lavage de main. Donc là, c'est le mec qui nous a mis le... Ouais. Le désinfectant à l'entrée. Pas comme dans les autres salles où c'est vous qui devez vous servir. Bah, écoutez, faites-vous plaisir. Si vous avez besoin, n'hésitez pas. C'est super gentil, je vous remercie. Attends, ça filme là, t'es sûr? Ouais. Le bouton rouge, il est animé? Ouais. Abonnez-vous. Vas-y, viens, on va aller dans l'espace cross, on va aller faire nos abdos là. Franchement, je pensais pas qu'il y avait des salles autant restreintes. Je suis content. En vrai, je suis content. Autant restreint, c'est-à-dire? Tu sens qu'il y a le Covid. Tu sens qu'il y a le Covid. Voilà. Tu le sens qu'il y a le Covid. Et ça, c'est bon, tu vois. Ça, c'est une salle qui mérite de rester ouverte, tu vois. S'ils se refont confinés, j'espère qu'elle va rester ouverte. Voilà. Donc nous, vous voyez, on s'est posé la question d'arrêter cette série. On va pouvoir enlever le masque, on est seul dans cette pièce. On s'est posé la question d'arrêter cette mini-série là sur le Covid. Parce qu'au final, sur toutes les salles se ressemblaient à peu près. Mais là, franchement, là, on ressent qu'il y a le Covid, les mecs. Hein. Abonnez-vous. Il nous laisse pas rentrer sans le masque, sans changer de chaussure. Bon, ça, c'est des règles qui existaient déjà avant le Covid. Sans la serviette, ça, c'est normal. C'est pareil partout. La seule chose qui change, surtout par rapport aux autres salles de fitness, c'est ça. Ça fait une demi-heure que je parle, ils en ont marre de moi. Il y a des gigas seringues dans ses fesses. Mais non, mais j'expliquais quand on n'a pas pu filmer, quand on parlait de la gérante. Covid de ce boob là. Et c'est une bonne salle quand même. Hein. Bel accueil aussi, très bel accueil. Super l'accueil. Vous avez vu Pimous, il met des masques stylés, hein. Il fait le beau gosse en temps de Covid. Ah, cousin. En vrai, on va pas faire une séance rapide. Vu qu'on a eu tout ce qu'on voulait à l'accueil, on sait comment ça se passe. On n'a pas besoin de focus là. On me voit pas si je fais comme ça, on me voit. Et en vrai, on a déjà tous les plans qu'il faut. Donc là, on a juste à faire notre petite séance tranquille, en accéléré. On met tous les exos qu'on fait pour ceux qui veulent s'en inspirer. Là, pour le Covid, c'est bon, vous êtes au clair, vous avez rien oublié. S'il y a des questions, posez-nous en commentaire, on vous y répondra de toute façon. Exactement. Là, maintenant, on passe à la séance abdominaux. Allez nous follow sur Instagram. On va mettre un post pour faire une FAQ très bientôt. Allez nous follow, c'est important. Ah oui, nous poser vrai. Vos questions. Vous allez savoir enfin si lui met des seringues dans son bras. Ah, donc venez sur la FAQ. Bon, je vous descends, les frères, parce qu'on va faire les abdos, je vais vous mettre à terre. Go faire les abdos, moi je te propose. C'est mon circuit. Regarde,
fais mon circuit, on se fait le tien, ça te va? Ok, le mien il sera meilleur. Ça, si tu veux, hein, en vrai, si je préfère, autant que s'il est meilleur, ça me va, comme ça je le vole. Moi je vais faire ces crunch, pas des crunch où tu remontes, hein, des vrais crunch où tu fais que les abdos. Ouais, ça c'est bien pour chauffer ensuite, en plus. C'est ça. Ensuite, je fais celui comme ça. Ok. Travailler un peu plus sur le côté. Side to side. Ok. Tu connais. Et ensuite, relevé de jambes. En tout d'affilée. Hein. Ok, donc là, c'est pas en volume qu'on va travailler du circuit training. Là, c'est circuit training. Là, si vous voulez enlever un peu de gras au niveau des abdos, même si on peut pas vraiment cibler une perte de poids, c'est quand même utile de faire ça. Moi, ça, je le fais soit en échauffement, soit en finition des abdominaux. Je vais vous filmer la technique parce qu'il y en a plein qui savent pas faire des abdos. Vas-y, Pimousse, montre comment on fait un vrai abdo. Bah moi j'utilise mes mains. Est-ce que tu mets tes mains derrière la nuque déjà? Non, parce que tu vas te niquer la nuque en tirant, c'est voilà. De faire ça. On enlève les mains derrière la exactement. Tête. Exactement. Faut juste c'est arrondir, comment ça s'appelle le muscle qui est dans les abdos là? Il faut pas remonter comme ça comme un débile, c'est de la connerie parce que t'engages les fléchisseurs des hanches. Ah ok, d'accord, ouais, il y a raison. Tu vois ce que je veux c'est dire? Le grand droit qui doit travailler. C'est ça. Et le grand droit, il suffit juste de venir enrouler comme ça son dos vers l'intérieur et tu travailles que les abdos. Ouais, ceux qui remontent jusqu'au bout, ça sert à rien. J'ai oublié, on peut enlever le masque quand on fait du sport. Ah, on enchaîne là. On dit chaque jambe. On ne peut pas en faire trop parce que si tu crames, tu n'arriveras pas à faire les autres exos, c'est chiant. Vas-y, il m'a doublé. Et là, ça chauffe déjà. Ouais, là, tu sens aussi que ça chauffe bien. Ah ouais. 11. 12. Voilà. Petite minute de récupération et ça crame. Moi je te conseille de pas en faire trop, parce que moi aussi j'en ai décidé de se mettre derrière. Quoi? On va être mort, gros. Final, chien, t'as non bécan, frère. Ça sent like sur cette vidéo. Et en Italie, fais le challenge gypsy avec moi, comme ça je le fais pas. Allez, allez, moi je l'ai déjà fait. Ouais, là on est à 4850 abos, il nous en manque 150. Ouais, c'est ça. Eh, c'est monté trop vite. Hein. La puissance. Subhanallah, la puissance. Vous allez voir, prochaine vidéo, je vous montre quelque chose de spécial dans ma chambre. Et pour ceux qui me suivent sur Insta, vous êtes déjà au courant. Pour les autres, bah, va falloir entendre la vidéo. Donc là, volume. C'est quoi ce fou là? Les abdominaux, c'est comme tous les autres muscles. Si vous voulez prendre en masse, il faut charger lourd. Donc là, on prend un disque de 20 et on va faire un petit superset avec la barre pour faire les abs rolls en anglais. Les abdos roulés. Voilà, les abdos roulés. On inspire, on rentre le ventre et ici on ramène en contractant bien les abdominaux. Bassin, essayez d'arrondir le bas du dos pour être sûr de bien engager vos abdominaux. Il faut avoir ce mouvement là quand vous ramenez la barre vers vous. On en fait 10 comme ça. On va chercher le plus loin possible. En contractant, on revient. Et une fois que c'est fait, on prend le disque de 20. Et là, on va faire des relevés de jambes copimousse. Mais nous, on n'est pas des fragiles, on va prendre un disque avec nous. Et on fait 20. Ici. C'est l'exercice que je te faisais faire en carpe diem, espèce de chétan. C'est vrai, c'est, ce fou, lui. C'est celui-là qui m'a fait pleurer. Et il est terrible. En fait, là ici, quand vous arrivez en V, là, il faut bien monter en haut avec le disque. Tu sens quoi l'étirement ici? Je sens le chibre. La puissance. Hop, et là on monte, voilà. On ferme en V toute et ensuite vie, on monte. Toute ma vie, frère. C'est l'un de mes exercices préférés. Bah, les deux exercices là, c'est mes deux exercices préférés pour les abdominaux. Petit chips abdos, hein, c'est comme pour le gainage ici. On en voit beaucoup avoir le bassin creusé un peu trop bas ou vraiment à la parallèle. Sachez que si vous voulez bosser les abdos, c'est préférable de monter un peu plus le bassin et de surtout avancer le bassin vers l'avant. Serrez bien vos fesses et arrondissez le bas du dos. Et là, ça. Vous allez mieux ressentir les abdominaux. Moi, pour apprendre à faire ça, je m'allongeais sur le dos et j'essayais de toucher avec mes lombaires le sol. J'arrondissais pour toucher. Voilà, c'est ça. Pied. J'en ai peut-être une calvitie. Il veut pas que je vous montre le deuxième exercice pour travailler dans l'ensemble les abdominaux. Donc là, on a travaillé le grand droit. Faudrait aussi ne pas négliger les obliques. Il va vous montrer, il va le faire tout seul. Non, il veut pas, il veut vous payer. Il a dit, ouais, tu vas faire un programme, ouais. Tu vas faire payer. Ouais, non, rigole, rigole. Non, j'ai mon cardio à faire, moi. C'est juste qu'il doit faire son cardio. Du coup, je vous montrerai l'exercice là dans un dans une prochaine séance. T'as mis ton masque. Marche inclinée. Non, je vais enlever mon masque. Marche inclinée, 5,5. Un bon 30 minutes. Pour inclinée préparer, à 13 degrés. Pour préparer la cure. L'Italie, c'est l'Italie. Ça qu'il voulait dire, l'Italie. Bien sûr, l'Italie. Fin de séance, fin de cardio. Bon, bah merci en tout cas. Ouais, donc vous avez bien compris, c'est pas la salle proche du Burger King. Hein. C'est au niveau du boulevard, je sais plus c'est quoi le nom du boulevard aussi. On va aller vers la gare. Bon les gars, fin de séance abdo, voilà ce que ça donne. Je vous ai pas montré
Ah, c'est dur de parler en même temps de contracter, je contracte les mecs là. Voilà, je relâche pas le ventre. Je vous ai pas montré le deuxième exercice, ça sera fait dans une autre vidéo, vous inquiétez pas. On commence à manquer de séances en vrai, on a fait toutes les séances possibles, on a fait cuisses, on a fait pec, il manque peut-être les bras. Ouais, non, mais de toute façon, ça c'est pas le plus important. La série déconfinement, elle est là pour vous montrer les mesures qui sont mises en place dans les salles. On va refaire d'autres séances, c'était tes séances, pourquoi pas faire les miennes. C'est vrai. Et de toute façon, il nous reste deux salles à visiter. Il nous reste On Air à Paris. Ça, n'hésitez pas, YouTube, regardez des pubs gratuitement. C'est vrai. Ça va nous aider à payer l'essence, on a 2 heures de route quand même. Et il nous reste encore une salle. Ah oui, électrostimulation, les gars. Ah oui, ah, bah, c'est bien. Ça va douiller, tu vois, tu vas ressentir des. C'est dur. Il reste. Séance branle, la fin air et électrostimulation. Voilà, vraiment. Donc parfait. Au final, vous n'aurez pas toujours vu la même chose dans nos vidéos. Donc ça, c'est parfait. C'est vrai. On espère faire du bon contenu. En tout cas, activez la cloche si vous voulez voir la séance électrostimulation. On a choisi une salle, c'est Body Hit. Donc c'est une chaîne fitness qu'il y a partout en France. Donc n'importe où vous vous trouvez, il doit en avoir une près de chez vous. Tu te rappelles quand on était dans la voiture? C'est vrai qu'au début, on a commencé dans la voiture. Tu te rappelles, dans la C3. À chaque intro, chaque outro, on les faisait dans la voiture. C'est plus calme, moi j'aime bien. Notamment, regardez, allez voir s'il vous plaît l'une de nos premières vidéos. Didier Prépa Football. Non, pas celle-ci. C'est sa préférée. Allez voir quand tu m'apprends à faire un salto, c'est quoi le titre? J'apprends un salto en 20 minutes, un truc comme ça, je crois. Voilà, j'apprends un salto en moins de 20 minutes. Allez voir cette vidéo, c'est un bijou. Elle est lourde, elle est lourde. Après, c'est pas la même qualité qu'aujourd'hui, mais franchement, j'ai trop kiffé l'affaire. C'était Fitness Fusion de l'IFF. Vous étiez en présence de Pimous et Didio. Fort et fun.